Vous allez bien? En tout cas, vous allez en pleine forme. Et comme tout va bien se passer, normalement, enfin normalement tout se passe bien. Alors c'est vrai que quelquefois quand on vient à une soirée qui est un peu improvisée comme ça, on ne sait jamais à quelle soirée on va venir. Et je ne sais pas, vous, ce qui vous a poussé à venir ici ce soir, peut-être que vous avez vu des vidéos sur Internet, peut-être que vous avez entendu parler d'hypnose, que vous avez vécu de l'hypnose. Il y a toujours des personnes qui viennent pour plein de raisons dans ces cabinets publics. Quelquefois des gens qui viennent parce qu'ils aimeraient vivre de l'hypnose et qui voudraient voir un peu à quoi ça ressemble avant. Et ça a quel côté un peu plus sécurisant de se dire qu'on est plein dans la salle et que si quelqu'un vient ici, a priori, quelqu'un pourra lui raconter ce qui s'est passé. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous faites partie de ces gens qui n'ont pas forcément en tête tous les mythes habituels sur l'hypnose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'hypnose fait partie de ces rares domaines où les gens ont un point de vue sur la question, même s'ils ne savent pas du tout ce que c'est. Les gens auront une explication à vous donner, ou un positionnement particulier. Les gens qui vous diront « j'y crois pas ». Alors ce qui est drôle, vous voyez, c'est comme quelqu'un, vous imaginez un électricien par exemple qui dit « je suis électricien », puis quelqu'un qui vous dit « j'y crois pas ». Ce serait étrange, non? Il n'y a aucun autre domaine où les gens se permettent d'avoir un point de vue sur une question sans avoir aucune information sur le sujet. Ou si vous dites, je ne sais pas moi, à une personne qui fait je sais pas, de la recherche sur je sais pas, l'anthropologie. Moi, j'y crois pas à l'anthropologie. Puis je ne suis pas sûr que ça marche sur moi. Il y a des gens qui sont persuadés que ça ne va pas marcher sur eux. Vous connaissez des gens comme ça? Oui. C'est drôle, vous voyez, c'est comme quelqu'un, je reprends l'exemple de l'électricité, il me dit, tiens, l'électricité, c'est pas mal. Non, mais ça, moi, ça ne marchera pas sur moi. Ah, je te jure, si tu appuies sur le bouton, ça devrait marcher. Non, non, je ne veux pas. Puis on n'est pas sûr quand même, c'est dangereux. Et bon, avec l'électricité, pour le coup, ça peut être dangereux, dans certains cas. Avec l'hypnose, normalement, non. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement naturel, l'hypnose, mais je pense que le sujet est tellement étrange pour la plupart des gens. On est dans une culture qui est tellement loin de ça que pour beaucoup de personnes, ça donne des a priori assez étranges, qui n'ont aucune base scientifique. C'est-à-dire quand vous demandez aux gens « mais sur quoi repose ton point de vue sur l'hypnose ?», souvent les gens vous répondent « sur rien ». Et plus on creuse sur ces questions-là, plus on s'aperçoit que ce sont des mythes, ce sont des légendes, et qu'en fait, si on s'intéressait vraiment au sujet, on s'apercevrait que c'est très différent de tout ce qu'on peut imaginer. Mais en même temps, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà fait un petit peu cette démarche et que vous n'êtes pas dans ces croyances un petit peu à l'ancienne, comme ça, de l'hypnose, c'est un état bizarre où on pourrait rester coincé dans cet état-là, où un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui prendrait le pouvoir sur nous. Enfin, toutes ces croyances un peu étranges qui sont très loin de l'hypnose, même si on verra un petit peu comment, notamment, démystifier aussi un petit peu tout ça. J'aimerais savoir, en fait, qui ici découvre l'hypnose ce soir, quand même. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a des personnes qui découvrent complètement, qui n'ont jamais entendu parler de... Non? Ah, il y a une personne. Super, bienvenue. Merci. Ok. Qui a déjà vécu des séances d'hypnose? Vous pouvez lever la main. Oh, super, d'accord. D'accord, une grosse majorité. Super, c'est intéressant. Qui a déjà fait à quelqu'un une séance d'hypnose? Waouh, il y a des praticiens dans la salle, d'accord. Ou des apprentis, ou des personnes qui ont lu un bouquin sur l'hypnose et qui ont essayé. L'autre jour, c'est marrant parce que j'étais dans un train comme ça, puis je parlais à une personne qui dit « Vous faites quoi ?» Je dis « je fais de l'hypnose. » Et cette personne me dit « Ah, moi aussi !» Alors je dis « Ah, c'est intéressant. » Elle dit « Ouais, j'ai lu un bouquin sur le sujet, du coup, j'ai hypnotisé mon frère. » C'est plutôt amusant. Après, on a parlé, c'était un peu... Cette personne avait lu un vieux bouquin dans les années 70, il y avait plein de méthodes un peu bizarres sur l'hypnose, j'en avais lu aussi quelques-uns, avec des rituels assez étranges. Alors cette personne, pour hypnotiser son frère, lui avait fait fixer dans les yeux pendant 5 minutes, avait fait des sortes de ronds comme ça avec les mains, et je lui disais, c'est pas tout à fait ça. Il me dit, ah bon, on n'a pas besoin des mains? Je le sentais. Je trouvais ça plutôt amusant. Mais oui, c'est typiquement ça, les mythes qu'il y a sur l'hypnose, et puis il y a beaucoup de légendes sur tout ça. Alors ce que j'aimerais ici, c'est qu'on puisse simplifier un petit peu tout ça. Et dans les cabinets publics, alors vous connaissez sans doute le fonctionnement si vous êtes là, mais l'idée c'est de parler d'hypnose, mais aussi de faire quelques démonstrations, expériences, exercices, de partager des choses ensemble, tout simplement parce que je pense que cette discipline mérite plus que d'en parler, d'être vécue, d'être traversée. C'est un peu le pari que je fais avec, pour tous ceux qui découvrent un petit peu, peut-être pas complètement l'hypnose ce soir, c'est que plus on approfondit l'hypnose, plus on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est à la fois beaucoup plus simple que tout ce qu'on pourrait voir dans les spectacles, dans tous les mythes qui circulent, etc. Et quand on voit un hypnotiseur de spectacle faire un tour, ça peut être magique, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est étonnant. Quelquefois, on se dit, tiens, la personne a oublié le chiffre 4, par exemple, quelle drôle de chose, comment notre cerveau est capable de nous faire oublier un chiffre. C'est vrai que c'est étonnant quand même, c'est un petit côté magique. Mais en fait, je trouve que ceci est beaucoup moins magique que l'idée qu'on peut, avec l'hypnose, amener les gens à changer quelque chose dans leur vie.
Parce qu'oublier le chiffre 4, c'est sympa, mais en fait, on ne va pas en faire grand-chose dans notre vie. Par contre, si quelqu'un est capable de se servir d'une séance d'hypnose pour transformer un comportement, une manière de faire, un fonctionnement, peut-être quelque chose de beaucoup plus troublant, de beaucoup plus questionnant, de beaucoup plus intéressant dans ce que ça raconte sur l'humain et son fonctionnement. Alors, à chaque cabinet public, j'essaie de proposer des thèmes un petit peu différents. L'hypnose est tellement vaste qu'en fait, on peut en parler de plein de manières différentes, on pourrait l'aborder de plein de points de vue différents. Et j'avais envie ce soir de proposer une thématique un petit peu décalée par rapport à ce qu'on fait d'habitude dans les cabinets publics. J'aimerais qu'on reprenne tout à zéro. Dit comme ça, c'est très. On va commencer par le feu, parce que le feu est. Non, c'est pas ça. On va prendre tout à zéro dans le sens où. Imaginons que l'hypnose n'existe pas. D'accord? Imaginons que tout ce qui est lié à l'hypnose n'existe pas. Et là, je fais une toute petite parenthèse. Il faut se rappeler que la psychothérapie a été inventée par les hypnotiseurs, ce qui veut dire que le coaching aussi a été inventé par les hypnotiseurs, ce qui veut dire qu'à peu près toutes les formes d'accompagnement modernes ont été inventées par des hypnotiseurs. Sans l'hypnose, on n'aurait pas eu la psychanalyse. Sans l'hypnose, on n'aurait pas. Enfin, toutes ces formes-là. Imaginons que l'hypnose n'ait pas existé et qu'on n'ait pas tout ça, en fait. Si on n'a pas tout ça, ça veut dire qu'on n'a pas de moyens d'accompagner l'autre dans une évolution psychique. Il faut se rappeler que dans notre civilisation, il n'y a pas si longtemps que ça, nous disposions d'aucun moyen pour accompagner l'autre dans son évolution psychique. Si on se rappelle que les premières facs de psychologie datent des années 50-60, si je me rappelle bien, que toutes les théories sur l'inconscient, etc., ont un peu plus d'un siècle. Freud s'appropriait beaucoup de choses, mais il y a quand même des gens avant. Philosophe qui commençait à penser vraiment à la question. Dans d'autres civilisations, évidemment, cette question est beaucoup plus ancienne. C'est vrai qu'on a, on a quelques milliers d'années de retard sur d'autres civilisations dans ce domaine-là. Mais en tout cas, dans notre civilisation, l'accompagnement psychique était quelque chose qui était peut-être un peu présent du côté religieux. Personne n'allait pas bien, elle allait voir une autorité religieuse. C'était un petit peu ce qui... Ou une personne se sentait en conflit intérieur, ou une personne avait l'impression d'avoir fait un truc pas bien. Elle allait voir une autorité religieuse. C'est peut-être ce qui s'en rapprochait le plus. Beaucoup de gens ont écrit sur le rapprochement entre le psychanalyste et le prêtre. Et c'est vrai que c'est un thème qui est intéressant. Et pour les problèmes du quotidien, en fait, on imagine mal quelqu'un au XVe siècle, par exemple, dire « j'aurais besoin d'un petit coaching pour améliorer ma performance dans ma rentabilité dans l'entreprise ». Vous voyez, c'est des trucs qui n'allaient pas. Le sport de haut niveau n'existait pas, donc le coaching sportif, évidemment, pourquoi ? Et on pourrait prendre comme ça plein d'autres choses. Il y a quand même des petites choses qui existaient avant, mais par exemple, l'anesthésie est plus ancienne, l'anesthésie par hypnose. Mais dans l'anesthésie, on n'est pas vraiment dans l'accompagnement psychique, on est juste dans un effet hypnotique particulier. Quand il y a déjà 200 ans, des hypnotiseurs, des dentistes hypnotiseurs anesthésiaient les personnes pour qu'elles aient moins mal lors de l'extraction d'une dent, on n'est pas vraiment dans l'accompagnement psychique, en fait. Et puis au pire, ça ne marchait pas, de toute façon, on l'arrachait quand même. On est bien à cette époque quand même, non? Moi, je préfère. Il n'y avait aucun produit à cette époque-là, hein, donc de toute façon, il fallait bien tenter des trucs. Et puis, il y avait des résultats intéressants. Il y a plein de gens qui ont écrit sur cette période-là avec des chirurgiens, des dentistes qui utilisaient l'hypnose. Mais une personne vivait un deuil, une personne était en bouleversement dans sa vie, une personne vivait un accident. Il n'y avait pas grand-chose en fait pour accompagner ces personnes-là. Sans doute aussi que les problèmes étaient vécus d'une manière totalement différente de la nôtre. Mais donc voilà, c'est un peu l'idée de départ. Imaginons qu'on n'ait rien inventé de tout ça et qu'on se pose ensemble des questions. Puisque si on n'avait pas inventé tout ça, on serait face à un problème que vous connaissez peut-être, parce que je crois qu'il existe quand même, malgré tout ça. Ce problème est simple, c'est que les gens ne savent pas changer. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour vous, mais alors c'est peut-être un peu biaisé par mon métier, parce que les gens viennent me voir justement, en général, pour créer du changement. Et vous avez sans doute plein d'exemples autour de vous, de gens qui sont coincés dans des fonctionnements qui ne leur conviennent pas. Vous en avez, non? Oui. On connaît tous un fumeur qui a essayé d'arrêter 10 fois, non? On connaît tous une personne qui a des problématiques de poids, qui fait un régime, qui reprend, qui fait un régime, qui reprend. On connaît tous quelqu'un qui veut se mettre à faire du sport et qui repousse ça depuis 5 ans, non? On connaît tous une personne qui ne sait pas gérer son stress, ou s'énerve pour un rien, ou a des conflits intérieurs terribles. À la limite, on peut inverser la question. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui semble parfaitement être en accord avec sa vie, avec ses envies, avec ce qu'il a envie d'être? Je pense que si on marche une heure dans la rue, peut-être que sur des centaines et centaines de personnes croisées, on croisera quelqu'un comme ça. Entre les gens qui portent des culpabilités, des personnes qui sont, je disais, des conflits intérieurs, c'est des choses qui sont assez courantes, des personnes qui n'ont pas digéré des échecs, des deuils, des accidents, des personnes qui ont oublié des rêves de vie, des personnes qui ont grandi avec quelquefois des manques, avec des peurs, avec des choses comme ça. En fait, c'est l'équilibre psychique, il me semble que c'est presque une utopie quelque part, c'est presque un mythe, on rencontre très très peu de personnes qui ont un véritable équilibre, qui se disent moi, exactement ce que j'ai envie d'être. Aucun problème. Quand il y a un problème, je le gère extrêmement facilement. Quand je veux changer un truc, ça se passe tranquille.
Tiens, hier, du reste, j'avais des petits problèmes de concentration, j'ai réglé ça hier soir. C'est rare, non? C'est-à-dire qu'il dit, tiens, j'ai besoin de confiance en moi dans la vie, attends 2 secondes, hop, ah, ça y est. C'est rare, non? Enfin, je ne sais pas si vous connaissez des personnes comme ça. Bah, pourquoi je fréquente beaucoup d'accompagnants, donc des gens qui ont une longueur d'avance sur tout ça, parce que c'est leur métier. Bah, même dans ce domaine-là, en fait, c'est pas sûr. Peut-être même que ça donne des gens encore plus conscients de ce qui a changé, ça c'est encore un autre truc. Mais donc voilà, proposition de départ, rien de tout ça n'existe, l'hypnose n'a jamais été inventée, les formes d'accompagnement psychique n'ont jamais été inventées, et on a ce problème-là, les gens ne savent pas changer. Alors j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut pour que quelqu'un change? Et si vous êtes un petit peu dans votre propre analyse, il y a sans doute des moments dans votre vie où vous avez changé des choses, parfois même très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé dans des moments où vous avez eu un changement important dans votre vie? Qu'est-ce qui a favorisé ça? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire un peu ça? Une évidence, d'accord. C'est intéressant, une évidence. Je n'ai pas pensé qu'on ferait cette réponse-là, mais je la trouve très très intéressante. C'est qui a levé la main? Oui. C'est quoi une évidence? Ok. D'accord. Est-ce qu'on pourrait appeler ça une prise de conscience? C'est dans le sens-là? Oui. Ok, c'est juste pour voir si je comprends à peu près même si c'est. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que cette évidence, cette prise de conscience aurait pu arriver bien plus tôt? Non, parce que j'étais au bout d'un processus, un gros projet qui a été fini. Oui. Je me suis rendu compte que c'était pas ce qui me rendait heureuse, alors j'ai pu aller faire autre chose très simplement. D'accord, ok. Alors, ça, c'est vrai que c'est une des occasions qu'on peut avoir de changer. Souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand une personne n'arrive pas à changer, on dirait quelque chose qui n'est pas compris dans le processus de changement. Je vais prendre un exemple assez simple, là c'est quelque chose qui est peut-être plus personnel, donc je ne vais pas te questionner sur ça. Mais imaginons par exemple quelqu'un qui dit, il faudrait pour ma santé que je me mette à peut-être, je ne sais pas, plus dormir par exemple. Bon, dormir, normalement on fait ça depuis qu'on est né. Le truc, on le connaît en fait, on s'est endormi des milliers et des milliers de fois, en fait, normalement, ce truc-là ne devrait pas nous échapper, quelque part. Mais vous avez remarqué ce qui se passe la plupart du temps quand une personne se dit, voilà, j'ai du mal à dormir, je dors 4-5 heures par nuit, je sens bien que ce n'est pas bon pour le corps, avec les années, bah, ça me fait de la fatigue, des trous de mémoire, j'ai l'impression d'être plus irascible, de mal contrôler mes comportements, etc. Cette personne traverse tout ça, puis d'un coup, elle se dit, bah, c'est l'évidence, il faut que je dorme plus. Bien sûr, cette personne a compris ce qu'il faudrait faire. Ce qu'elle n'a pas compris la plupart du temps, c'est qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle fasse ça. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a, dans l'idée de la prise de conscience en tout cas, souvent il y a plus qu'une compréhension rationnelle. Parce que la plupart des gens qui sont bloqués dans un changement savent exactement ce qu'il faudrait faire pour changer techniquement. En gros, la personne qui veut perdre du poids, elle sait très bien qu'il faut manger différemment. Vous voyez ce que je veux dire? La personne qui doit s'endormir, elle sait très bien qu'il faut arrêter ses pensées pour s'endormir. À peu près. La personne qui veut arrêter de fumer, bah, elle a juste arrêté d'acheter un paquet de cigarettes, non? C'est pas ça? C'est pour ça qu'on marque fumez-tu, c'est pour que les gens arrêtent en fait, mais c'est un truc qui n'est pas passé, je crois. Vous voyez l'idée en fait, c'est la différence entre comprendre ce qu'on doit changer et avoir une prise de conscience, comme s'il y avait quelque chose qui en nous n'avait pas encore fait sens, quelque part. Alors c'est vrai que souvent, quand tout d'un coup quelque chose en nous fait sens, on a une occasion de changement. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme ingrédient important dans un processus de changement? Ouais. L'instinct de survie. L'instinct de survie, ah, c'est vrai que ça peut faire changer ça. Une des personnes qui m'a appris l'hypnose quand j'étais jeune, c'est quelqu'un qui s'appelle Richard Bandler, qui est un des créateurs de la PNL, pour ceux qui connaissent. Et il dit un truc qui est très drôle. Il dit, si un thérapeute a une hache dans les mains et qu'il dit à l'autre change, en général, ça marche. Voilà, après, dans la vie de tous les jours, c'est plus difficile à utiliser. Mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les films, ça, par exemple. Dans beaucoup de scénarios de films, il y a toujours l'idée qu'à un moment donné, le personnage, le héros, c'est quand il est confronté à un danger qui peut le mettre en danger sa vie ou celle de quelqu'un d'autre, ou quelque chose en tout cas de très très fort, c'est-à-dire une montée émotionnelle extrêmement forte, qu'il va y avoir une sorte d'instinct de changement, instinct de survie, comme tu dis, qui va l'obliger à passer à autre chose. Bon, on peut s'imaginer que ce n'est pas la façon la plus confortable de changer. C'est radical, mais ça peut fonctionner, ça peut être un ingrédient intéressant. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme facteur de changement? Une envie. Alors, je vais peut-être vous paraître pessimiste, mais de ce que j'ai remarqué, l'envie ne suffit pas. Voire même l'envie peut être contre-productrice. C'est-à-dire que bah, j'ai envie de dormir, ça va me bloquer. J'ai envie de faire bien, je vais me regarder faire et ça va me rendre extrêmement peu naturel.
J'ai envie de pouvoir dire à une personne ce que je veux lui dire, mais plus je pense à ce que j'ai envie de lui dire, plus ça me bloque. Enfin, ça va souvent créer des problèmes inverses. Je dirais même que c'est un des vrais contresens, ça, justement, des personnes qui sont en besoin de changement, c'est que elles ont l'impression que l'envie devrait suffire, mais manifestement, ça ne suffit pas. Du coup, souvent, ça les fait culpabiliser, en plus. Parce qu'elles se disent, j'ai peut-être pas assez envie. Ça, c'est terrible. Je pense même qu'on est souvent dans des processus dans notre société où on culpabilise des gens qui ne changent pas parce que on leur fait croire que ce qui va les faire changer, ce sont des éléments qui devraient être maîtrisés, alors qu'en fait, ils sont impossibles à maîtriser. Et souvent, par exemple, à côté de l'envie, il y a même la volonté dans les autres choses qu'on pourrait citer qui ne marchent pas, et j'ai trouvé assez proche. Ah, moi, j'ai combien de gens j'ai vu qui devaient perdre du poids, qui m'ont dit, il faut que je travaille ma volonté. Je leur demande pourquoi en général. Bah, parce que je dois bien manquer de volonté vu que ça ne marche pas. En fait, c'est souvent des gens très très qui ont beaucoup de volonté, c'est pas ça le problème. Ils ont beaucoup de volonté parce que je peux vous assurer que pour faire des régimes, reprendre, faire des régimes, reprendre, il en faut beaucoup de la volonté. C'est pas là le problème. Mais la volonté et l'envie nous font croire qu'en fait c'est consciemment qu'on doit gérer quelque chose, alors qu'en fait consciemment on ne gère rien par essence. Quelqu'un qui a un comportement, ce comportement il est automatisé, c'est un processus inconscient, c'est un processus sur lequel il y a très peu de prise consciente. Toute la volonté du monde pourrait ne pas le faire dévier d'un iota, ce comportement. Il est tellement profondément ancré dans le fonctionnement de la personne. C'est comme s'il y avait des ornières sur une route et qu'on passait par ces ornières-là. C'est pas une question d'envie. En fait, à un moment donné, c'est que quelque chose nous programme quasiment de cette façon-là. L'émotion, par exemple l'instinct de survie, nous propose autre chose. L'émotion, elle vient balayer nos fonctionnements habituels. Elle vient nous confronter à quelque chose de tellement fort qu'en fait, ça vient perturber le fonctionnement de la routine. C'est pour ça que l'instinct de survie peut être en effet un facteur de changement. Mais l'envie ou la volonté, ça peut être des petits ingrédients, mais ils sont rarement suffisants. Il y a un paradoxe quand même à dire par rapport à ça, c'est que les gens qui changent facilement croient qu'ils ont changé volontairement. C'est ça, c'est là aussi que vient le mythe. Le type qui arrête de fumer juste en posant sa cigarette, il est persuadé que sa volonté était forte. Alors, la différence, c'est qu'il s'est passé autre chose en lui, qu'il n'en a sans doute pas conscience. Mais ce n'est pas la volonté qui a triomphé à ce moment-là. C'est souvent autre chose. Oui. La croyance qu'on peut y arriver et le lâcher-prise. Ah, ça c'est intéressant, c'est deux très bons ingrédients. Alors, je dirais les croyances en général, ma façon de penser le monde. Les croyances, on voit bien que c'est plus inconscient que la volonté ou l'envie. Vous voyez, c'est si je crois qu'une chose n'est pas possible, comment est-ce que je pourrais me permettre de la faire? Si je crois qu'une chose est possible, est-ce que je ne suis pas déjà en train d'ouvrir la porte pour trouver des moyens pour la réaliser? Alors, il ne faudrait pas tomber dans le piège non plus de penser que dès qu'on croit qu'une chose est possible, elle devient réalisable. C'est peut-être pas toujours aussi simple que ça, malheureusement. Mais en tout cas, si on pense qu'une chose est impossible, elle sera de toute façon pas réalisable. Puisqu'on va jamais la tenter, même, quelque part. On connaît plein d'exemples autour de ça qui sont fascinants. Vous savez, par exemple, sur les inventions, sur les grandes inventions qui ont marqué notre histoire. On a quelques inventions qui auraient pu être inventées bien avant le moment où elles ont été inventées. Personne n'y a pensé. Comme on ne savait pas que c'était possible. Il y a un exemple que je trouve marquant, c'est l'enregistrement sonore. On avait la technologie pour le faire bien avant que ça soit inventé. Il n'y avait juste personne qui s'était posé la question d'enregistrer des sons. C'est vrai que ça ne tombe pas sous le sens, en fait. C'est savoir qu'une personne parle et qu'on pourrait sauvegarder la voix de cette personne-là avec un appareillage, c'est étonnant comme idée. L'avion, on comprend tout de suite, on voit des oiseaux voler, on se dit qu'on va bien faire un truc qui va voler, peut-être, mais c'est compliqué, mais on va peut-être y arriver. Quoique avec l'avion, il y a d'autres exemples amusants à ce sujet-là. Mais il y a quand même des gens qui arrivaient à prouver que c'était impossible pendant qu'il y a un type qui en faisait déjà voler un. Lui, il ne savait pas que c'était impossible. Bon, vous voyez l'idée des croyances. En fait, les croyances, c'est vraiment la manière dont on structure notre subjectivité. C'est la manière dont on structure ce qu'on choisit de voir dans le monde, en quelque sorte. Si je pense, par exemple, que changer est facile, bah je me mets en place des processus de changement. Si je pense que changer est impossible, je ne vais pas forcément m'autoriser à mettre en place des processus de changement. Donc c'est vrai qu'il y a ça. Le deuxième ingrédient dont tu parlais, c'était le lâcher-prise. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que plus j'essaie de contrôler pour changer, plus ça va me freiner. Mais en même temps, si je ne fais que lâcher prise, il manque quelque chose, non? Questionnement. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place une habitude? Ah, ça c'est intéressant. Même si il n'y a pas toujours besoin de comprendre d'où vient un problème pour le régler, mais c'est vrai que, et on va en parler ce soir dans les démonstrations qui vont... Pour l'instant, je vous parle beaucoup, puis après on s'amusera. Enfin, j'espère que vous amusez quand même déjà, là, mais... on s'amusera plus. Souvent, quand on veut changer, on ne pense qu'à la partie de nous qui veut changer. Mais peut-être qu'il y a une partie de nous qui ne veut pas changer. Peut-être que cette partie, elle a des raisons de ne pas vouloir changer. Peut-être que cette partie, c'est même important qu'elle soit là, parce que peut-être qu'elle nous protège aussi de quelque chose. Je vous donne un cas comme ça. Alors,
Je sais qu'il y a des praticiens dans la salle et souvent quand on pratique l'hypnose, on fait ce qu'on appelle, même d'autres formes d'accompagnement, on fait ce qu'on appelle de la supervision. Et supervision, pour que tout le monde comprenne un petit peu ce que c'est notamment, pas que, mais notamment quand un praticien, dans son cabinet, il reçoit tant de personnes toutes les semaines, tous les jours. Et puis souvent ça se passe bien, puis parfois en tant que praticien, on est en difficulté aussi, on n'a pas réussi à aider quelqu'un, ou il y a un truc qui a bloqué, ou la relation n'est pas passée. Et donc une supervision, c'est un temps, souvent on échange avec un référent, quelqu'un qui a de l'expérience, à qui on peut parler aussi des problématiques qu'on rencontre quand on est en cabinet. Et une des choses qu'on fait en supervision, c'est notamment de l'étude de cas. On dit, voilà, j'ai une personne, ça fait 3 fois que je la vois, ça bloque à ce niveau-là, je sens qu'il y a un truc que je n'ai pas compris, ou je suis passé à côté. Et puis en parlant avec quelqu'un qui est extérieur, souvent on pense à des solutions. Alors, on va faire un peu comme si on était un énorme groupe de supervision, puis je vous raconte un faux cas un peu basique, comme ça, un peu simplifié. Imaginons, je vous dis, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Imaginons, j'ai une personne qui était venue me voir pour perdre du poids, imaginons. Elle m'a dit qu'elle avait 50 kilos à perdre. Au début, ça a très bien fonctionné. Et elle a perdu 30 kilos, on s'est vu comme ça sur un an, quelque chose comme ça. Puis tout d'un coup, ça a bloqué, elle est repartie en arrière. Je vous demande à tous d'imaginer des scénarios, des raisons intérieures pour cette personne, pour qu'elle ait, après tout un travail accompli, d'avoir fait une énorme partie du travail déjà sur toute une année, où elle a sans doute dû dépasser plein de choses, qu'est-ce qui fait que cette personne arrivée là a pu revenir en arrière? Est-ce que vous pouvez faire des hypothèses là-dessus? Ah ouais, elle s'est peut-être pas reconnue cette personne. Ça fait longtemps qu'elle était comme ça, d'un coup elle se regarde dans le miroir, c'était plus elle. Il y a des raisons de paniquer quand c'est plus soi qu'on voit dans le miroir. Ça pourrait être une raison très valable. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? La peur d'être désirable. Possible, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai qu'une personne qui sait... imaginons que ça soit un moyen de se cacher de quelque chose. J'ai eu des personnes, par exemple, qui après avoir vécu des attouchements sexuels, avaient trouvé cette manière de se protéger du regard des autres. Oui, possiblement. Ça peut être une protection de cette nature-là. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme hypothèse pour qu'une personne gâche autant de travail? Modifier un autre mal-être plus important. C'est possible. C'est possible. Peut-être même que ça l'a confrontée à un autre mal-être qui était là, qu'elle n'avait jamais identifié. C'est tout à fait possible. J'étais tellement persuadé que j'irais mieux quand je perdrais du poids, et je suis en train de perdre du poids, puis en fait ça ne règle pas tous les problèmes que j'imaginais dans ma vie. Mais du coup, pourquoi je fais tout ça? Alors ça, ce n'est pas conscientisé, ça peut être beaucoup plus profond que ça. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme hypothèse? On pourrait en citer plein, mais peut-être encore une autre. C'est possible, c'est possible. Tout d'un coup, cette personne a mis tellement d'énergie dedans, qu'en fait, à un moment donné, toutes ces difficultés au bout d'un an, même si elle y arrive, même si elle se sent bien, tout d'un coup, l'effort qu'elle met n'est plus aussi grand que le plaisir qu'elle trouve à perdre du poids. Les premiers mois, il y avait peut-être l'effet de nouveauté, il y avait peut-être le bien-être d'y arriver, puis tout d'un coup, il y a plein d'autres efforts autour de... C'est possible aussi. Alors évidemment, le cas est différent pour chaque personne. Et puis, c'est rarement si simple que ce que je vous dis, parce que, en fait, souvent, il y a plusieurs raisons qui viennent se rajouter. Sur un cas comme ça, il est possible même qu'on rencontre plusieurs résistances au fur et à mesure du travail. Peut-être qu'on aura au début un travail qui va se faire facilement. En fait, souvent, ça commence facilement, un travail comme ça. Puis peut-être qu'au bout de quelques mois, il y aura un blocage. Et là, on va étudier le blocage. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'une des grandes raisons pour lesquelles les gens ne changent pas, c'est que parfois, ils ont plein d'intérêts à ne pas changer. Il y a plein de gens qui considèrent qu'une mauvaise situation, mais connue, est moins risquée qu'une meilleure situation inconnue. Mais ça, c'est pas conscient. Ça, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus inconscient. Et ça vient notamment du fait que, particulièrement dans notre société, on est un petit peu éduqué à aimer les choses connues, à aimer les certitudes, à aimer ce qui dure, à aimer ce qui est prévisible. C'est rare qu'on apprenne à un enfant que l'idéal dans la vie, en fait, c'est l'insécurité, l'imprévisibilité, le doute, que le doute, c'est la chose la plus géniale du monde, et que dès qu'on sait quelque chose, la certitude est peut-être un poison terrible. On dit rarement ça à un enfant, en fait, aujourd'hui. Ce qui est bizarre dans le pays de Descartes, non? Mais on pourrait se poser la question, mais en tout cas, ça donne beaucoup d'adultes qui préfèrent largement un truc prévisible et cadré plutôt que l'imprévisible. Alors, on vient de partager sur ça. Il y a un autre ingrédient dont je voulais vous parler avant qu'on commence à jouer. Et vous allez voir que ce soir, en fait, on va créer des démonstrations ensemble. C'est-à-dire qu'on va... j'aimerais bien vous parler un petit peu de ce qu'on appelle les rituels. En fait, j'aimerais vous proposer une définition de l'hypnose qui, comme toute définition de l'hypnose, est incomplète. Mais ce sera celle de ce soir, et à chaque cabinet public, il y en a une autre. Ce soir, on va définir l'hypnose, ou plutôt on va définir le métier de praticien en hypnose comme un métier où on sait à la fois modifier l'état de conscience de quelqu'un et créer des rituels pour assembler les deux. Avec l'hypothèse, c'est l'hypothèse qu'on va faire ce soir, que si on fait accomplir à quelqu'un un rituel dans un état de conscience qui n'est pas ordinaire pour lui, alors on peut potentiellement activer un changement profond. Je vous parle de deux ingrédients, je vous les explique un petit peu. J'évoquais un film tout à l'heure. Dans un film, souvent, je simplifie un petit peu,
On a quoi comme situation? On a un personnage qui vient un problème, ça commence souvent comme ça un film. En fait, si tout va bien dès le début, on sent qu'on va s'ennuyer, non? Vous imaginez un film où tout va bien? Voilà, c'est deux personnes qui sont heureuses. Puis elles discutent, elles se lèvent le matin, elles font un petit déjeuner, puis après, bon, bah voilà, c'est joyeux, c'est heureux. On attend qu'il y ait un problème quelque part, non? Sinon le film, il manque un truc. Bon, évidemment, en général, ce qui se passe au bout de 3 minutes, c'est qu'il y a un drame. Il y a un drame, il y a un obstacle, il y a un méchant, il y a une catastrophe naturelle, il y a un échec, il y a une mauvaise nouvelle. Enfin, il y a la tension dramatique du film, en fait, qui arrive. Et à partir de là, pendant 1h30 ou 2 heures, bah, on va accompagner un ou plusieurs personnages, pour simplifier, on va dire qu'il y en a un, dans un rituel de changement, c'est-à-dire dans toutes les étapes qu'il va devoir traverser pour apprendre à mettre en place un changement qui fait qu'il va solutionner la problématique qui s'est opposée à lui. Vous voyez qu'on soit dans un film de science-fiction, si vous voyez Alien, par exemple, tout va bien au début, puis il y a un problème, il y a un alien. Un exemple assez frappant. Il va falloir le déloger de là. Alors on peut trouver ça, ça peut être un film d'angoisse comme ce film-là, ça pourrait être, je ne sais pas moi, un film, même un film d'auteur en général, il y a bien un problème quelque part, sinon il n'y a pas la tension dramatique du film. Et le héros, donc, qu'est-ce qu'il va faire pour aller vers des changements? Ben, il va accomplir des choses, il va avoir une quête quelque part. Un peu comme dans tous les mythes et dans toutes les légendes finalement, on n'a pas réinventé ça récemment avec le cinéma. Mais il y a des choses à faire, en tout cas, pour changer. Alors, là aussi, c'est la question que je voulais vous poser, c'est, en général, qu'est-ce que vit ou accomplit un personnage pour aller vers un changement dans une histoire, dans un film, dans un récit, dans... Un dépassement de soi. Il y a un dépassement, ça c'est vers la fin, normalement. Il y a un affrontement. Affrontement, dépassement de soi, je vais presque les mettre en même temps. C'est les dernières minutes de l'histoire, ça, déjà. C'est un film 1h30, on est à 1h20 là. Et je compte le générique de fin. Ouais, alors justement, entre les deux, il y a le rituel. Enfin, il y a la dernière étape, c'est l'affrontement, bien sûr. Et logiquement, vu qu'on regarde souvent des films dans lesquels ça se passe bien, c'est un peu sympa. En général, le héros va gagner l'affrontement, que ce soit avec une chose ou une autre. Mais avant qu'il soit prêt à ça... Il se pose des questions. Ah, il se pose des questions, oui, ça c'est sûr. Il va se découvrir des qualités, comment il fait pour faire ça? Il ouais. Découvre des nouvelles choses en lui, puis il peut construire ce qui lui permettra de passer au-delà. Tout à fait. Je pense qu'on pourrait résumer même tous les films comme ça. Il y a un héros qui vient un problème, il va trouver des éléments de solution jusqu'à assembler la solution, puis finir par... En fait, tous les scénarios tiennent sur 3 lignes. J'exagère un petit peu. La question, c'est... il faut que le problème soit un chouette problème, sinon on n'y croit pas. Enfin, un gros problème, en fait, plutôt qu'un chouette problème. Et si possible, la façon de trouver la solution doit être un minimum imprévisible. En général, c'est rarement comme le héros l'avait imaginé au début. Passe toujours un truc à un moment donné qui est un truc qui est imprévisible, bah, qui doit saisir aussi le spectateur, mais aussi le héros. Et c'est parce que le héros, tout d'un coup, change de paradigme en général qu'il change, non? Il se passe un truc dans sa vie qui est de l'ordre de l'inconnu. Alors, pour donner quelques éléments de réflexion là-dessus, en général, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un allié, quel qu'il soit. Alors, ça peut être un maître spirituel, un ami, ça peut être un ami imaginaire, ça peut être un extraterrestre, ça peut être ce qu'on veut. Il y a un allié quelque part en général. Réel ou imaginaire, il peut être imaginaire. Mais en tout cas, il y a un facteur extérieur qui vient apporter quelque chose. Qui ne suffit jamais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'allié est toujours assez incompétent. Enfin, il n'est jamais assez compétent pour aider le héros à dépasser par lui-même le problème. Vous voyez, dans Star Wars, Yoda ne suffit pas. Même après l'entraînement, il perd en fait. Mais ça a été un élément quand même, il y a eu des ressources extérieures. En général, il y a un échec. C'est très rare dans un film que ça ne passe pas par un échec, un premier échec. C'est assez logique. Alors, c'est logique. Dans une logique de spectateur aussi, il faut bien qu'à un moment donné, on se dise « Mais comment il va faire pour dépasser ce problème? Ça marche pas, c'est pas possible !» Il faut que l'échec soit cuisant, en général, même. Donc, il y a un truc de cet ordre-là. Il y a une prise de conscience, à un moment donné. Il y a un lâcher-prise, quasiment à chaque fois. Tant que le héros cherche, en général, il ne trouve pas. C'est que quand il lâche prise qu'il commence à... Il y a un changement de croyance, quasiment tout le temps. Tous les ingrédients que vous avez donnés tout à l'heure, en fait, sont présents. Et on pourrait en citer une quinzaine d'autres qui reviennent assez souvent. Alors je vous disais, ça c'est le premier ingrédient, c'est le rituel. Deuxième ingrédient, c'est l'état de conscience modifié. C'est là que l'hypnose intervient. Parce qu'en fait, vous l'avez peut-être remarqué, vous pouvez donner la leçon de vie la plus extraordinaire à quelqu'un, il y a très peu de chances pour qu'il l'entende. C'est un truc qui m'avait marqué quand j'étais adolescent. Et alors, l'histoire, c'est un ethnologue qui va rencontrer un sorcier au Mexique parce qu'il veut faire une thèse sur les substances hallucinogènes, psychotropes, et il finit par rencontrer un vieux sorcier qui va lui faire toute une initiation. Et à un moment donné, Castaneda écrit des livres dessus. Et donc il a écrit plein de livres dessus. Alors c'est assez marrant, comme il y a plein de choses intéressantes dans ces bouquins. Après c'est très années 70-80, mais ça, pour ceux que ça intéresse, ça vaut le coup de les lire.
Et à un moment donné, en fait, Castaneda, qui écrit son deuxième livre, raconte qu'il va voir le sorcier et puis lui dit « Ça ne vous dérange pas que j'écrive tout ce que vous me dites dans le livre ?» Parce que bon, c'est quand même, je sais que c'est des choses normalement qui se transmettent et tout ça. Et le sorcier fait « Écris tout ce que tu veux, les gens ne comprendront rien. » Moi, ça m'avait choqué ce truc-là. Je me dis « Mais non, c'est terrible !» C'est une très bonne suggestion en même temps. Du coup, on relit le livre. En fait, tout ce qui est du domaine du conscient ne suffit pas. Je prends mon exemple tout à l'heure. La personne qui doit perdre 50 kilos, si elle va chez un nutritionniste, il se passera quoi, à votre avis? Elle saura ce qu'il faut manger. Si, ça marche bien, elle saura ce qu'il faut manger. Maintenant, le soir, quand elle sera chez elle, elle saura ce qu'il faut manger. Après, il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'on fait. J'avais rencontré un grand médecin nutritionniste qui a une clinique où il y a vraiment des gens qui sont en grande difficulté. Et il me disait, il faut être bien accroché pour mon métier parce que nous avons plus de 90% d'échecs. Et pourtant, c'est un type qui fait un travail formidable. Enfin, je trouve que c'est vraiment... Mais c'est fort, en fait. C'est violent, je trouve. Bah oui, parce que le savoir ne suffit pas. Le conscient, la partie consciente du problème ne suffit pas. Et c'est pour ça, quand on regarde, dans la plupart des histoires, il y a un changement d'état de conscience. Le meilleur conseil qu'on pourrait donner à un ami, la solution qu'on pourrait donner à quelqu'un ne lui donnera quasiment aucun atout pour aller vers le changement. Je dirais même que c'est pire. Parfois, si on donne la solution à quelqu'un, puisqu'elle vient de nous, elle devient caduque. Ça peut arriver aussi. C'est parfois presque dangereux de donner la solution à quelqu'un, en tout cas dans les domaines de l'accompagnement, parce que cette personne, pour peu qu'elle ait une structure psychologique ou ce qui vient de l'extérieur, il faut s'en méfier, parce que ça peut arriver, cette solution sera de tout coup barrée, et si c'est la seule, eh bien, on vient de gâcher la vie de quelqu'un en lui donnant la solution. Alors, ce que je vous propose tous ensemble, c'est qu'on a commencé par un problème. Le problème, c'est que les gens ne savent pas changer. Alors, on va tenter de créer ensemble un processus de changement. On va tenter ensemble d'aider quelqu'un à transformer quelque chose d'important dans sa vie en utilisant tout ce qu'on vient de se dire. D'accord ? Je vais tenter une chose, c'est de ne prendre que les exemples dans ce qui a été donné, parce qu'il manque quand même pas mal d'éléments, on pourrait en parler pendant des heures, mais ça durerait un peu longtemps. On va tenter de ne prendre que les exemples qui ont été donnés, puis on va décoder un petit peu tout ça. On va tous faire semblant. D'accord ? Je vais même vous demander de m'aider hein, dans ce rituel de changement, c'est très très important. Nous savons que tout ce qu'on va faire ici n'est que de la suggestion, que ça n'a aucune réalité tangible, et pourtant, on va voir que ça peut fonctionner. Ça, c'est tout le paradoxe de l'hypnose, on ne fait rien, mais ça marche. C'est marrant parce que parfois, il y a des gens qui disent « Mais l'hypnose, je veux dire, c'est quelque chose de sérieux, non ?» Non, pas du tout. L'hypnose, ça vient du théâtre, ça vient de tout ça, en fait. Mais ça peut créer un sérieux changement quand même, au fond. Il y a souvent des gens qui me disent « Mais est-ce qu'il faut y croire pour que ça marche ?» Eh bien, en fait, non. Ça ne change pas grand-chose, parce que ce que les gens disent, quand les gens disent « j'y crois » ou « j'y crois pas », on est toujours à un niveau conscient. La question, c'est, pour être plus précis, est-ce qu'il faut qu'inconsciemment j'y croie pour que ça marche? Mais inconsciemment, en général, la question ne se pose pas, en quelque sorte. Inconsciemment, on vit de l'expérience. La question de la croyance est un petit peu différente. Parce qu'en fait, ce qu'on va engager n'est justement pas un processus conscient habituel. On va essayer d'engager quelque chose d'inconscient. Alors, je terminerai juste par ça, ce grand passage un petit peu théorique de première partie de soirée. Une des raisons, et ce n'est pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles on fait de l'hypnose, c'est justement pour faire en sorte que tout d'un coup se passe dans la vie de quelqu'un quelque chose qui est impossible normalement de son point de vue. En général, dans notre vie, nous ne vivons que des choses qui nous semblent logiques et normales. L'hypnose fait intervenir tout d'un coup quelque chose qui nous sort de là. Et parce que ça nous sort de là, ça nous oblige à considérer le réel différemment. Je pense que les hypnotiseurs ont souvent cette capacité, je crois même que c'est une capacité très importante dans l'hypnose, de nous rappeler que nous ne comprenons pas ce monde. On a beau se faire croire qu'on le comprend, on ne comprend rien du tout de ce monde. On ne sait pas comment on fonctionne, on ne sait pas comment fonctionne le cerveau, c'est un mystère total. Plus on a d'hypothèses, plus on s'aperçoit que les hypothèses repoussent encore les choses qu'on ne sait pas, mais on ne les sait toujours pas. On ne sait pas comment fonctionne la conscience, on ne sait pas comment fonctionne... On commence à savoir un peu comment fonctionne la mémoire, et encore, on est encore dans l'hypothèse. L'imagination, c'est encore quelque chose qui nous échappe en bonne partie. Qu'est-ce qui fait qu'on s'identifie à notre corps? On ne sait pas très bien, on sait qu'on s'identifie, mais pourquoi, comment, de quelle façon ça nous échappe? Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas dans l'humain. Mais on fait tous comme si tout était normal. On a une émotion, elle nous semble normale, mais on ne sait pas pourquoi elle est là. On ne sait pas comment interagir avec. L'hypnose recrée de la normalité. Oui, par exemple, si quelqu'un a mal quelque part et que je lui dis « tiens, on va déplacer la douleur, c'est à l'épaule, on va la mettre dans le poignet. » 5 minutes après, cette personne qui vit ça, elle est confrontée à la normale. « J'ai mal à l'épaule dans le poignet, c'est bizarre. » Du coup, elle se dit « tiens, il se passe un truc que je ne maîtrise pas. » Et ça ouvre la porte au changement. On ne va pas faire ça. Hein. On peut faire ça, ça peut être assez amusant.
fois, j'ai fait ça avec un client, il avait un acouphène d'une oreille. Du coup, j'ai fait partir avec un acouphène de l'autre côté. Et je lui ai dit, gardez ça pendant une semaine, on en reparle. Il était dans un drôle d'état après une semaine. Il m'a dit un truc très drôle, il m'a dit, je l'ai quand même remis au bon endroit. Et ça, c'était génial. En fait, je termine sur cet exemple parce que je le trouve plutôt amusant, mais donc la personne, je ne sais plus si c'est l'oreille gauche ou l'oreille droite, mais grosso modo, dit, voilà, j'ai un bourdonnement dans l'oreille depuis des années, j'ai fait des tests, on me dit que j'ai rien. À une époque, j'aimais bien, j'avais plein de gens qui venaient me voir pour les acouphènes, donc je testais des trucs bizarres. Et je dis, bah, c'est de ce côté-là. Il me dit, oui, ça n'a jamais changé, bah non. Il me dit, voilà, j'ai juste remarqué que quand j'étais détendu, c'était moins fort. Ah. Et du coup, ben, je le mets sous hypnose. Puis sous hypnose, en fait, on perd un peu le côté logique des choses. Donc je dis, bah, tiens, cet acouphène, il pourrait prendre un peu de recul, revenir. Et puis on le déplace, on le met de l'autre côté. Sous hypnose, ça va. Hein. Mais quand il se réveille, par contre, il dit, mais pourquoi il est de ce côté? Parce qu'on l'a mis de ce côté. Qui est une réponse absurde. Souvent, les gens n'osent pas trop poser de questions. Hein. Vous faites de l'hypnose quand même. Donc puis ils sortent de transe, alors ils ne savent pas trop. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, réfléchissez-y. Le type, il est rentré chez lui. Vous imaginez quand il dit à sa femme Alors, ta séance d'hypnose, c'était comment? C'est super, hein? Et ton acouphène? Ben, je l'ai plus là, mais il est là. Je pense qu'elle a dû le regarder très bizarrement, en fait. Et du coup, ça l'a fait beaucoup réfléchir sur ce que c'était cet acouphène. Parce que quand il est de l'autre côté, ça redevient nouveau. Et du coup, ça recrée quelque chose. Et potentiellement, puisque ça nous décale par rapport à notre état ordinaire, on va repenser à ce truc-là complètement différemment. Et ça va peut-être créer des prises de conscience, ça va peut-être créer d'autres façons de comprendre pourquoi c'est là, ce truc-là. Bon, bref, assez parlé, beaucoup parlé quand même. J'aimerais bien que quelqu'un soit volontaire pour ce qu'on va faire ensemble, pour qu'on puisse tous ensemble accomplir un rituel de changement au service d'une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, tant qu'à faire, on va prendre un truc un peu sérieux quand même, si c'est OK pour vous. Quelqu'un qui, en ce moment, vit un truc vraiment pas facile dans sa vie. Alors, je sais pas... Ça peut être une problématique à dépasser, ça peut être il y a des gens qui désignent les autres comme étant volontaires. Quelqu'un qui a, peut-être qui vit une difficulté émotionnelle, personnelle. Alors, il y a quelques mains qui se lèvent comme ça, timidement. À quoi tu penses quand tu lèves la main? Une rupture amoureuse. Une rupture amoureuse. D'accord. Il y a longtemps? Non. Il y a une semaine. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais à cet instant-là par rapport à ça? Qu'est-ce qui serait bien pour toi? Avoir moins mal. Avoir moins mal, ok. D'accord. Moins d'émotions. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour venir là, vivre une expérience? Alors, on ne peut jamais garantir ce qui va se passer. Maintenant, au pire, il ne se passera rien. Tu vois ce que... Au pire, tu as vécu un bon moment, tu as parlé d'un truc, et puis... Au pire, après, au mieux, tu vas très très bien après. Je ne peux pas te garantir un truc comme ça, parce qu'il y aura sans doute encore un travail... Enfin, on fait jamais tout un travail d'accompagnement en 10 minutes. Hein, faut pas, enfin, on va faire un peu plus que 10 minutes, mais je précise aussi ça, parce que j'ai une personne qui me posait la question par rapport à ça, qui me dit, ah, dans les extraits de cabinet public, souvent les séances durent 20 minutes, mais est-ce que ça dure 20 minutes un accompagnement? Ben non, souvent on voit une personne sur quelques séances, peut-être 5 séances, peut-être 10 séances, et on construit un travail séance après séance, on décode, on prend de l'information. De même, souvent dans les démonstrations, je parle assez peu avec les gens, mais évidemment, normalement, dans une séance d'hypnose, on prend largement le temps de parler avec quelqu'un pour apprendre à le connaître, on lui pose des questions. On ne le fera pas trop là pour ne pas rentrer dans un truc intime avec 120 personnes dans la salle et la caméra, et les caméras. Ça, c'est bien, ça met la pression. Bon, il y a 3 caméras. Mais si tu es OK, en tout cas, pour traverser une expérience comme celle-là, je te propose de venir ici. C'est OK? Je vais te demander juste avant de signer une décharge. Ça fait partie du rituel. Hein. Et ça fait partie du rituel de changement. C'est vrai en plus. Hein. Et puis de mettre un petit micro comme ça, tout ce que tu dis sera enregistré. Il faut que tu ailles voir Benoît qui est derrière les paravents. Et voilà, c'est la première étape de la quête initiatique. J'ai un ami, Alain Héril, pour ceux qui le connaissent, qui est un sexothérapeute assez connu, il fait beaucoup de choses, et qui avait fait toute une conférence une fois, on avait pas mal parlé de ça, sur l'idée que l'ordonnance du médecin a une importance rituelle. Il avait toute une théorie autour de ça que je trouvais assez intéressante. Il disait, bah, par exemple, le fait que ça soit mal écrit et donc incompréhensible pour la personne, mais juste par le pharmacien qui aura le savoir de décoder l'écriture du médecin, bah, rien que ça, ça donne un côté mystique et magique au truc. J'ai trouvé ça assez joli comme idée. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'inaccessible dans l'ordonnance du médecin, non? Il y a quelque chose de... Bah, des noms de médicaments improbables, des consonances latines un peu magiques comme ça.
C'est pas abracadabra, mais c'est presque quelquefois sur certains trucs. Vous allez prendre du. Je sais pas. Bon, bref, vous voyez tous les trucs. Donc, la personne voit ça, elle se dit. Puis le type lui dit prenez ça et ça ira mieux. C'est génial. Vous imaginez la personne qui le prend au pied de la lettre, elle mange l'ordonnance. Est-ce qu'il y aura un effet placebo? Est-ce qu'il y aurait un truc à imaginer avec ça? Je précise aussi une chose pendant que. Tout va bien? D'accord. Ne lis pas le truc, c'est pas. Je plaisante. Oui, non, c'est plutôt court. Mais je disais tout à l'heure, tout ceci n'est qu'illusion, tout ceci n'est que suggestion. Peut-être que c'est bien de préciser quelque chose par rapport à ça, parce que ça peut donner une fausse impression. Notre rapport à la réalité est basé sur notre imagination. Imaginons, on se rencontre, on discute, ce que je vais ressentir de toi n'est pas que lié à toi, c'est lié à ce que j'imagine que tu es. Et par exemple, imaginons que tu aies le même regard qu'un bon ami à moi, je vais avoir un a priori très favorable sur toi alors que je ne te connais pas. Et j'en ai évidemment pas conscience. Donc ce n'est pas le réel seulement qui m'influence, mais mon imagination. Quelqu'un qui a peur de monter dans un avion, ce n'est pas le réel qui l'inquiète, parce que le réel va lui dire statistiquement qu'il n'est pas très compliqué de monter dans un avion et que c'est plutôt sûr. C'est beaucoup plus difficile et insécurisé de traverser la rue ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas le réel donc, qui indique l'émotion à cette personne, c'est son imagination. C'est que cette personne imagine déjà les réacteurs en flammes, les boulons qui se dévissent, tu peux venir. Ou je ne sais pas, que le chef de bord est ivre ou qu'il a un arrêt cardiaque ou un truc comme ça. C'est vrai que la personne qui s'imagine ça, elle a moins envie de monter dans l'avion, non? Mais c'est le même avion et c'est que son imagination qui a changé. Tu t'appelles comment? Yona. Yona, d'accord. Et donc tu as une rupture sentimentale il y a une semaine, c'est ça? C'est ça. D'accord, tu me le dis avec un grand sourire. Oui. Bah, c'est cool déjà. Ouais, c'est ma protection, c'est mon armure. Ok. Mais c'est souvent ça, il y a plusieurs parties en nous. Et c'est très bien en fait qu'il y ait ce fonctionnement aussi. Tu me disais donc ce que tu aimerais, c'est avoir un peu moins mal. C'est ça. C'est peut-être mon côté optimiste, mais imaginons qu'il y a un truc un peu mieux qu'avoir juste un peu moins mal, ça serait quoi? Pas avoir mal du tout. Pas avoir mal du tout, d'accord. Ouais. Tu te sentirais comment si tu n'avais pas mal du tout? Bien. Ok. Ok. Tu crois qu'on peut aller jusqu'à viser le bien? On peut essayer. On peut essayer. D'accord. Après, tu me diras, parce que évidemment, dans un processus de transformation, il y a des étapes. Si à la fin, tu dis, en fait, je me sens trop bien, alors que ça fait qu'une semaine et c'est pas logique et ça fait une dissonance, tu me dis, on revient en arrière. Je veux bien aller de l'avant. Non, je préviens. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il est toujours possible, à n'importe quel instant, de revenir en arrière. Si tu le souhaites, en tout cas, c'est très important. Alors, comme on s'en est beaucoup parlé, on va faire un rituel ensemble, d'accord? Ce que j'aimerais, c'est que tu vives plein d'expériences. On va faire plusieurs, en fait. D'habitude, il y a plusieurs démonstrations dans le cabinet public. Cette fois, il y aura plusieurs états d'hypnose avec la même personne dans le cabinet public. Et en fait, je te dis aussi, j'aimerais bien qu'il m'aide. Et puis, moi, j'ai joué aussi mon rôle de celui qui fait le rituel. Alors, c'est bien qu'on ne soit pas deux siècles en avant, parce que si on était deux siècles en avant, il faudrait que je joue ce rôle de manière très caricaturale. Bonjour. Le mesmer du XVIIIe siècle était très caricatural, quand on le voit avec notre culture d'aujourd'hui en tout cas. Ou si vous allez dans certains pays, il y a encore des rituels où pour nous ça nous semble très caricatural. Vous voyez les guérisseurs philippins par exemple, vous voyez à quoi ça ressemble? Truc horrible, je ne veux pas qu'on fasse ça, mais ils font semblant de rentrer les mains dans le corps de l'eau, de ressortir des trucs, ils ont des os de poulet, des trucs comme ça. Enfin, c'est très... il y a du sang, il y a tout ça. Alors c'est vrai qu'en termes de puissance rituelle, c'est fort. Hein. Je pense qu'un type qui a l'impression qu'on lui trifouille dans le ventre et qu'on ressort des os et des trucs comme ça, à mon avis, il se dit « Ouais, moi, je vais mieux après, ça, on a ressorti des trucs. » Enfin, surtout s'il croit vraiment qu'on lui a mis les mains dans le ventre. Alors regardez, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez, c'est terrible. Ce qu'il raconte, c'est qu'il perce la peau avec les mains, ce qui n'est pas le cas, hein, rassurez-vous. Les mecs n'ont pas de cicatrices ni rien, mais enfin, eux, ils disent que c'est magique. Et donc, ils vont chercher des trucs. Et c'est vrai que ça doit être marquant quand même. C'est vrai que les rituels, parfois, ils ont besoin d'être marquants. Nous, on va passer par des trucs un peu plus sympas, un peu plus festifs que ça. On va essayer de garder un petit côté marquant, mais tu vois, plus sympa que plus sympa que ça. Imagine, sinon, le mec, il met ses gants comme ça. Puis... Et là, on se dit, oulala, sûr que je vais changer, enfin, j'espère. La première chose, souvent, c'est de travailler sur les croyances. On va commencer par ça. C'était l'hypothèse que tu avais tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on commence par parler un petit peu de ça. Et en tant que gardien du rituel, quelque part, mon premier rôle va être de te montrer que ce que tu crois être la réalité n'est pas forcément la réalité. D'accord? Parce que dès lors que je t'aurai montré ça, tout ce que je vais te dire pourrait être vrai. Même quand ça te paraîtra étrange. D'accord. Ce qui est étrange. Ce qui est étrange. D'accord.
Et parfois, on a autant besoin de le vivre que de le voir. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse une petite expérience. Et toi, tu vas être spectatrice de cette expérience. C'est eux qui vont vivre l'expérience. Mais déjà, ils vont te montrer ce que c'est de vivre une expérience qui n'est pas tout à fait ordinaire. Vous voulez bien m'aider, hein, de toute façon? Oui. D'accord. Puisqu'on va, on va tous faire partie de ce rituel, en fait, je vais vous demander à tous, maintenant, de vous mettre debout. On va faire une petite expérience toute simple. Hein. Vous allez chanter. Non, c'est pas ça. On distribue des feuilles et des chants grégoriens et tout ça. Non, ça... Alors remarquez, ça peut être fort, hein, mais... on va faire une petite expérience d'imagination. Mon pari, c'est de penser que l'imagination peut gérer le corps. C'est-à-dire que ce qu'on va imaginer, ce qu'on va ressentir, ce qu'on va éprouver, ce qu'on va se raconter, on pourrait le dire comme ça aussi, va avoir une action sur notre corporel, sur notre physique. Vous allez mettre les bras le long du corps, vous allez fermer les yeux, et je vous invite à imaginer une chose très simple, dès que vous avez les yeux fermés, et toi, tu vas regarder ce qui se passe pour eux. Je vous demandais d'imaginer que votre corps est attiré vers l'avant. Imaginez que votre corps est de plus en plus attiré vers l'avant. Comme si quelque chose l'attirait dans cette direction, comme s'il y avait un fil imaginaire qui tractait votre corps vers l'avant. Évidemment, parfois, vous revenez vers l'arrière pour revenir à votre position initiale et à nouveau, le corps est attiré, très fortement attiré vers l'avant, comme si quelque chose de très important devant vous captait votre attention. Puis au contraire, maintenant, vous allez voir que le corps est attiré vers l'arrière. Imaginez qu'il y a comme quelque chose qui le repousse. Comme quelque chose d'assez étonnant qui fait que ça commence à partir dans cette direction. Le corps est comme repoussé vers l'arrière. Comme s'il y avait un vent très fort qui vous poussait vers l'arrière ou comme s'il y avait un aimant qui vous attirait vers l'arrière dans le dos. Et maintenant, votre main droite va être attirée vers le haut. Vous allez imaginer que votre main droite commence à devenir plus légère que la main gauche. Que le bras en entier devient plus léger de ce côté-là, comme si il était plus léger que l'air. Et quand la main commence à se soulever, demandez-vous jusqu'où elle peut monter. Laissez-vous envahir par une très forte sensation de légèreté qui grandit, qui monte, qui envahit le corps. Et la main monte. Elle entraîne le bras et parfois elle entraîne tout le bras d'un coup, jusqu'au coude, jusqu'à l'épaule. Sentez que la main devient de plus en plus légère. C'est votre imagination qui amplifie la légèreté de la main. C'est votre imagination qui crée cette réaction. Et ça peut être tellement agréable de ressentir une sensation de légèreté dans une main, n'est-ce pas? Et ça peut être très étonnant de ressentir qu'une main monte, comme si plus rien ne l'empêchait de décoller. Comme si la sensation de gravité disparaissait dans cette partie du corps. Et vous pouvez avoir la sensation que ça s'élève de plus en plus. Comme si votre imagination était là aussi capable d'interférer avec la réalité. C'est comme retrouver un jeu d'enfant, un jeu qu'on peut tous faire quand on s'imagine quelque chose jusqu'à y croire et jusqu'à le vivre, jusqu'à le ressentir et l'éprouver dans le corps. Et pour chacun, c'est une histoire différente. Et pour chacun, c'est une expérience différente. C'est comme s'il s'agissait de faire un pas de côté avec la réelle, le réel habituel. Comme s'il s'agissait de sortir légèrement, de se décaler progressivement d'un état ordinaire de conscience. En activant l'imagination, on vit quelque chose qui d'habitude n'est pas habituel, qui d'habitude nous échappe, qui d'habitude n'est pas concevable de cette façon. Cette partie du corps échappe au contrôle habituel, elle n'est plus vraiment consciente. Cette partie du corps est comme agie par une part inconsciente de vous, elle est comme automatisée par une part inconsciente de vous. Et ça monte. Et ça monte de plus en plus. Et pour chacun, ça arrive à un niveau différent. Et pour chacun, ça arrive à une expérience différente. Et vous allez tous garder quelque chose de cette expérience, comme si elle était une porte d'entrée vers ce qui va se passer ensuite. Vous allez tous garder quelque chose qui vous permettrait même de la continuer, cette expérience, par vous-même, si vous le souhaitez, ce soir ou demain, un autre jour. Pour l'instant, vous allez pouvoir laisser cette expérience se mettre entre parenthèses
afin de revenir tout doucement vers une sensation habituelle de la main, un équilibre du corps, une sensation de présence dans les mains et dans les bras, dans les yeux et le visage. Revenir au présent, rouvrir les yeux et vous rasseoir sur une chaise. C'est sympa, non ? Ouais, c'est assez impressionnant. Ça fait quoi de là ? Bah, ça fait quelque chose de voir 50-100 personnes se balancer comme ça. Ouais, c'est étonnant. En face de nous. Ouais, ça fait quelque chose. Il y a un petit côté film de zombie, non, quand ils se balancent un peu. De... Oui, et puis les mains levées. Ouais, on va faire un petit sondage. Qui a eu une main qui a commencé, ou qui est même plus que commencé, à se lever toute seule ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Voilà, une très grande majorité, c'est super. Quelques personnes peut-être pour qui il aurait fallu un peu plus de temps ou peut-être aussi un contexte un peu différent. Je précise juste une chose, hein, tout le monde peut vivre ce genre d'expérience. Parfois, il y a des métaphores qui nous parlent plus que d'autres, donc mon récit ne peut pas convenir à tout le monde, ça c'est sûr. Parfois, il y a des gens qui vont très vite dans l'expérience, parfois il y a des gens qui ont besoin un peu plus de temps. Certains auraient besoin parfois de plus d'intimité pour vivre ça, mais voilà, tout le monde peut vivre ça. Ce n'est pas encore au fond de l'hypnose, hein, ce serait presque une étape intermédiaire. Mais on va s'en servir comme d'un premier élément. Tu as pu voir là que pour plus de 100 personnes dans une salle, les mots suffisent pour accompagner un truc qui est un peu inhabituel quand même. Toi, c'est quelle main qui aurait tendance à se lever toute seule, à ton avis ? La droite aussi, je dirais. La droite aussi, tu dirais. Ça ne m'étonne pas, pour le coup. Mmh. Elle te paraît normale, cette main droite, pour l'instant ? Oui, c'est ma main. C'est ta main ? C'est intéressant que tu dises « c'est ma main ». Est-ce que ça pourrait ne plus être ta main ? Je suppose que ça dépend de la manière dont je vois cette main. D'accord. Je vais te demander de la regarder. Tiens, on va faire un petit expérience. Je vais me mettre de l'autre côté, comme c'est la main droite. Je vais prendre ton poignet comme ça et je vais te demander de la fixer aussi intensément que possible. Tu vas la fixer comme si c'était la chose la plus importante du monde pendant quelques instants, comme si tu projetais dans ta main toute ton intention et toute ta concentration. Comme si c'était important tout d'un coup de créer ce lien entre toi et ta main, de la regarder comme si tu la découvrais, comme si tu voulais graver son tracé, les lignes de la main, les proportions dans ton visage, comme si tu prenais une photo mentale aussi précise que possible. Et puis je vais approcher la main du visage, et tu vas imaginer que plus cette main s'approche du visage, plus tu commences à rentrer dans une expérience. Une expérience qui est plus interne. Souvent quand on fait ça, on sent que les yeux fatiguent un petit peu, il y a comme la respiration qui change, la tonicité musculaire aussi commence à être transformée, les rythmes du corps, la coloration de la peau, d'autres choses commencent à bouger à l'intérieur. À un moment donné, ce sera comme la sensation de vouloir fermer les yeux, la sensation de vouloir détendre le visage, le cou, comme si tout le corps commençait à vraiment rentrer dans une expérience. Quand la main va toucher le visage, cette expérience va comme s'amplifier, comme si elle était démultipliée à l'intérieur. Au moment où la main touche le visage, c'est comme s'il y avait l'impression de plonger à l'intérieur de toi dans une expérience aussi agréable que profonde. Justement, la main touche le visage, il y a comme la sensation de lâcher prise profondément et de rentrer à l'intérieur de toi, dans une autre respiration, dans un autre temps, dans une autre façon d'être. Dans un espace inconscient où les idées, les pensées, les sensations se mélangent. Dans un espace intérieur, dans cet état où il n'y a ni besoin de comprendre, ni besoin de savoir. Dans cet état, on se fiche un petit peu de tout ce qui est conscient, de tout ce qui est analysé. On peut rentrer dans un monde plus onirique, plus libre, où les associations d'idées se font si facilement. Rentrer dans cette expérience, c'est comme passer de l'autre côté du miroir. Quand tu rouvriras les yeux dans quelques instants, avant d'aller plus loin dans cette expérience, ça te semblera être le réel, presque le réel. En même temps, tu pourras te demander si c'est toujours le réel d'être assis sur un tabouret au milieu d'une centaine de personnes. Tu pourras te demander si c'est toujours le réel de faire une expérience d'hypnose comme ça. Et imaginons que cette main reste sous hypnose. Imaginons que cette main, elle ne se rentre pas dans le réel. Que toi, tu puisses reprendre une bonne respiration, rouvrir les yeux. Et imaginons que cette main devienne de plus en plus autonome. Elle pourrait devenir tellement autonome qu'elle pourrait très facilement suivre comme ça une suggestion à peine esquissée. Elle pourrait devenir tellement autonome qu'un doigt pourrait se mettre à bouger un peu plus qu'un autre. Et c'est à la fois toi et pas toi, en fait. C'est encore ta main. Tu crois ? On va faire une expérience. J'aimerais que ta part inconsciente soit présente dans cette main. La part la plus inconsciente et la plus profonde de toi. Quand cette part inconsciente sera totalement présente dans cette main, la main va se mettre à bouger vers moi.
Super. J'aimerais que ta main puisse aussi répondre par oui ou par non aux questions que je lui pose. En fait, c'est cette part inconsciente de toi qui va répondre par oui ou par non. Si je pose une question et que la réponse est oui, il y a un doigt qui va se mettre à bouger beaucoup plus que les autres. Comme ça. Et puis si je pose la question et que la réponse est non, c'est un autre doigt qui bouge plus que les autres. Comme ça. J'aimerais poser une question maintenant à ta part inconsciente. Elle pourra me répondre par oui ou par non en bougeant les doigts. J'aimerais savoir si elle aime bien cette expérience. Ok. Je peux lui poser deux, trois questions, ça ne te dérange pas? Dis-moi, par inconsciente, est-ce que tu sais qu'il y a un conscient quelque part? Ouais, ok, parce que parfois ça répond non, c'est très troublant. Est-ce que ça t'arrive parfois que toi, tu saches plein de choses, t'essayes de les transmettre à la partie consciente, mais elle ne comprend pas? Ouais, ça arrive. Il y a pas des fois où tu te dis, mais je fais quand même tout pour ça, je lui transmets des rêves, des intuitions, des sensations, je lui donne des idées, et puis la partie consciente, elle n'entend pas toujours tout ça. Ça t'arrive, ça? Ok, non, c'est juste pour... Ça répond quasiment toujours ça, hein, mais bon. J'aimerais savoir maintenant si toi aussi, tu sais qu'il y a quelque chose à dépasser en ce moment pour la partie consciente, qu'il y a une rupture il y a une semaine et que pour l'instant, c'est vraiment pas très agréable à vivre et que même s'il y a une apparence avec des sourires, bah derrière, il y a beaucoup d'émotions dans tout ça. Est-ce que toi, tu serais d'accord pour m'aider là, pendant cette séance, à aider la partie consciente pour dépasser tout ça et peut-être à t'aider toi aussi pour dépasser tout ça? Ok, super. Alors, je vais te demander toute ta coopération pendant cette expérience. J'aimerais que tu sois là à chaque instant. J'aimerais que tu aides la partie consciente, que tu puisses répondre à des questions, que tu puisses l'aider de toutes les façons possibles et t'aider aussi de toutes les façons possibles. Est-ce que tu es d'accord pour ça? Ok. Alors, pour l'instant, cette main, elle va rester peut-être encore un peu en transe, mais il se peut qu'elle se réveille un petit peu. Alors, de toute façon, elle repartira très profondément en transe juste après. Alors, voyez, on est au début du film. On va décoder un petit peu déjà tout ça. Le personnage qui est dans le film, il est coincé dans son processus, en fait. Il est pris dans quelque chose, et puis c'est pas simple, et puis c'est difficile, et puis il est bouleversé. Et la première chose qui va se passer, souvent, c'est que quelque chose va le sortir de sa réalité, il va sortir de sa réalité habituelle. Ça peut être une rencontre, ça peut être un événement, ça peut être le fait de voir quelque chose qui est inattendu, comme une centaine de personnes dans une pièce qui commencent à bouger au son d'une voix. Puis ensuite, il se passe souvent autre chose. La question, c'est quel est l'engagement de la personne? Et en fait, l'engagement conscient, c'est une chose, mais l'engagement inconscient, c'est autre chose. Et là, on vient d'avoir ton engagement inconscient. Ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui est déjà d'accord pour t'aider. Du coup, on est deux à t'aider. Il y a ton inconscient d'un côté, il y a moi de l'autre, puis il y a quand même beaucoup de personnes dans la salle. On va parler un petit peu d'émotion, ça te va? Ok. Alors, c'est peut-être pas la partie la plus simple du processus, mais ce que j'aimerais, c'est que si à un moment donné, tu as besoin d'exprimer des choses, de dire des choses, tu te sens tout à fait libre de tout ça. Ok. Tout à l'heure, rien qu'en parlant, quand je t'ai posé deux, trois questions, il y avait la voix qui tremblait un petit peu. Oui, un petit peu. Ça m'arrive souvent. Oui. D'accord. En ce moment? Oui. Oui, ok. T'avais ressenti quelque chose à ce moment-là? Peut-être même que rien que d'y penser, tu ressens quelque chose? Oui, en général, c'est toujours pareil. C'est ma gorge qui se serre. C'est ta gorge qui se serre? D'accord. Et puis, je sais que, du coup, c'est les larmes qui arrivent, enfin, qui montent. Ok. Là, tu me refais le coup, là. Non, mais ça donc, va tu aller. Peux, hein. C'est ok. Ça va. Après, on enlèvera le masque, mais pour l'instant, tu peux le garder un petit peu. C'est souvent plus confortable, en plus. Mm. Mais à un moment donné, ça devient plus confortable d'enlever. Mais c'est chacun son rythme pour ça. Je suis pas encore. Ouais. Mais ça sera aussi une étape peut-être de changement aussi. Tu dis que c'est là, hein? Oui. Ok, je vais te demander de fermer les yeux pendant quelques instants et te concentrer sur cette partie du corps. Et je vais demander à ton inconscient, avec la main, de venir toucher cette partie du corps. Juste comme s'il y avait déjà un premier contact avec cette émotion. On dit que les émotions parfois sont des véhicules, que les émotions sont parfois comme des portes d'entrée aussi. Alors j'aimerais juste poser une question à ton inconscient et j'aimerais qu'il prenne le temps avant d'y répondre. Il arrive parfois que quelque chose nous arrive dans un moment de vie, dans une difficulté de vie, comme ce que tu as traversé il y a quelques jours. Et parfois ce sont des événements nouveaux et parfois ce sont des événements anciens qui se répètent. Si cet événement est un événement nouveau, avec des émotions de nature nouvelle dans ta vie, avec une étape qui est différente de tout ce que tu as traversé avant, alors, un peu comme tout à l'heure, la main va bouger. Elle va s'éloigner un petit peu de la gorge, du cou. Si cette émotion a une histoire plus ancienne que ça, si cet événement qui s'est passé il y a quelques jours,
donne la sensation d'être comme en répétition de quelque chose, comme un cycle, comme quelque chose qui est en train de revenir, même si d'une façon un peu différente. Alors ce contact va même devenir un peu plus présent, un peu plus rassurant, comme ça. Ok. Alors tu vas avoir la sensation que ce qui se passe ce soir, c'est à la fois lié à ce qui s'est passé depuis quelques jours dans ta vie, mais aussi lié à plein d'autres choses qui existent à l'intérieur de toi, comme connecté à toutes les facettes. Un peu comme un hologramme où chaque chose correspond à d'autres choses. Peut-être même à des choses oubliées, peut-être même à des choses très anciennes. Comme si tu pouvais travailler sur la partie la plus visible et en même temps sur les racines profondes de tout ça. Maintenant, il y a le moment où va émerger quelque chose qu'on va appeler l'obstacle. L'obstacle, c'est le méchant dans un film. C'est la part de l'adversité, c'est tout ce qui nous empêche de dépasser quelque chose. Mais en même temps, le méchant dans le film, c'est aussi le meilleur allié du héros. Parce que s'il n'était pas là, il n'y aurait aucune occasion de grandir. Parce que plus il est fort et impressionnant, plus ça permet au héros d'aller chercher des ressources insoupçonnées à l'intérieur de lui. Parfois même, on le voit comme étant l'élément négatif alors qu'il est la plus belle occasion qui existe de faire émerger quelque chose de nouveau et d'intéressant. Alors bien sûr, toi, tu as tous les droits de voir ça comme étant négatif, de voir ça comme une opposition, de voir ça comme un obstacle. Mais j'aimerais qu'une partie de toi le voie comme le meilleur enseignant qui existe. Qu'une partie de toi puisse imaginer que tout ce qui se passe là est comme une opportunité étonnante et nouvelle d'aller chercher quelque chose en face de toi, devant toi, dans l'avenir. D'aller chercher quelque chose aussi derrière toi, dans le passé. D'aller chercher quelque chose à l'intérieur de toi, dans ton inconscient. D'aller chercher dans toutes les ressources qui existent autour de toi, tes amis, tes proches, toutes les personnes qui comptent. D'aller chercher dans ton imagination et dans tes souvenirs. Parce qu'à un moment donné, tout ça va s'assembler. Alors tu peux toujours te connecter à cette émotion. Toujours ressentir qu'elle est là comme si elle était aussi un guide. Un guide qui va t'amener tout doucement vers un endroit de toi où il y a quelque chose de très très important. Et tu vas imaginer une chose, tu vas imaginer que devant toi va se matérialiser d'une manière ou d'une autre, symbolique, archétypale, ou même peut-être très simple, l'expression de l'obstacle que tu rencontres aujourd'hui. Comme si juste en face de toi, tu avais l'incarnation symbolique de tout ce que tu es en train d'affronter, de tout ce qui, pour l'instant, s'oppose au moment où tu vas te sentir bien. Et que ce soit des peurs, que ce soit des besoins, que ce soit plein d'autres choses, ça prend forme. Et quand cette forme sera présente, cette main-là et ce bras-là vont commencer à se soulever, tout seul. Et à cet endroit-là, cette main et ce bras sont très proches de cette source-là, de cet obstacle-là. Toutes les images qui viennent, toutes les sensations qui viennent, tout ce qui fait que cet obstacle a autant de valeur qu'il est fort. Tout ce qui fait que cet obstacle est aussi important qu'il est gênant et inconfortable. Tout ça peut jouer dans toutes les formes qui t'apparaissent. Et tu peux te sentir en lien avec cette émotion quand tu es en contact avec cet obstacle. Parfois, on est en contact avec un obstacle et on a l'impression qu'il est presque impossible à surmonter. Et pourtant, il y a déjà en toi quelque chose qui a vu tout à l'heure une centaine de personnes faire quelque chose qui, dans une discussion quotidienne, paraîtrait sans doute impossible. Tu as vu tout à l'heure cette part inconsciente de toi qui te répondait. Alors tout ça, c'est comme des ouvertures à l'idée que la vision qui t'arrive là, ce avec quoi tu es en contact,
a peut-être autant de failles, beaucoup plus de failles encore que ce que tu peux imaginer. J'aimerais que tu regardes cet obstacle et que tu lui demandes pourquoi il est là. À quoi il sert ? Qu'est-ce qu'il est censé te communiquer ou t'apprendre ? Qu'est-ce qu'il est censé t'offrir ou te donner ? Est-ce qu'il protège quelque chose ? Quelle est sa raison d'être ? Pour l'instant, c'est comme une prise d'information sur lui. C'est comme si tu confrontais une première fois à lui et peut-être que pour l'instant, ce n'est pas encore possible de le dépasser et c'est OK. Mais plus tu questionnes, plus tu peux sentir qu'il y a déjà quelque chose qui change dans la nature de cet obstacle. Puis maintenant, je vais reprendre ta main et la poser, comme si tu pouvais laisser cet obstacle prendre un peu plus de recul, comme si tu pouvais, pour l'instant, le laisser là pour prendre le temps de te préparer à le dépasser dans quelques temps. Toujours en contact avec cette émotion, j'aimerais que tu remontes progressivement dans le temps, puisque cette émotion a déjà existé. J'aimerais que tu laisses le présent derrière toi, que tu entres dans un état où le temps n'a plus vraiment d'importance, où on peut marcher dans le temps mentalement. On peut le remonter ou le parcourir dans un sens ou dans l'autre. Dans certains états de transe, la temporalité disparaît. Avant et après ne sont plus que des concepts. Les expériences sont comme superposées. Elles sont en lien les unes avec les autres. Ce sont des couches de réalité. Et c'est comme si dans cette expérience, tu pouvais voir toutes les résonances de cette réalité. Il y a le symbole de la spirale parfois qui fait penser à ça. On passe parfois presque au même endroit, mais depuis un point de vue différent, encore et encore. C'est comme si tu voyais toutes les histoires qui se superposaient, tous les vécus qui étaient en lien les uns avec les autres. Et que tu te demandes, de quoi tu as besoin pour réellement dépasser ça? J'aimerais que cette part inconsciente de toi, en lien avec cette émotion, aille chercher à l'intérieur de toi ce dont tu as vraiment besoin. Quand tu auras trouvé ça, tu auras une impression très étrange, quelque chose d'un peu magique, puisque ça ne peut pas arriver dans une réalité habituelle. Ta main va comme prendre cette émotion et la mettre à distance. On sait tous qu'une émotion n'est pas aussi tangible que ça, et pourtant cette main est vraiment en train de prendre une émotion et de la mettre à distance. Peut-être pas encore trop loin, mais c'est déjà tellement différent quand elle est à distance, n'est-ce pas? Et maintenant, j'aimerais que tu te demandes, qu'est-ce que tu veux faire avec cette émotion? Et laisser quelque chose en toi, intuitivement trouver ce que tu en fais vraiment. Et maintenant que cette émotion a été lâchée par la main, j'aimerais que cette main, gérée par ton inconscient, aille attraper une ressource quelque part. Comme si là, autour de toi, puisque tu es connecté à toute ta vie, à tout ce que tu connais, cette main pouvait aller attraper quelque chose, saisir quelque chose dont tu as besoin, une capacité qui existe à l'intérieur de toi, comme un objet qui contient les connaissances, le pouvoir dont tu as besoin, les capacités, les connaissances, les idées, les principes dont tu as besoin. Et à nouveau t'en saisir et l'amener juste au bon endroit.
enfant cherche simplement quelque chose qui était presque déjà là. Et le laisser se diffuser juste au bon endroit. Et te demander, quand ça se diffuse, qu'est-ce que ça transforme à l'intérieur de toi ? Et il y a un moment où va apparaître une forme de lâcher prise. La sensation qu'il n'y a rien d'autre à faire à cet instant-là. La sensation qu'un apprentissage est en train de se diffuser quelque part et qu'il n'y a rien à faire de particulier pour que ça se fasse. Et je me demande quelle émotion ça va créer. Avec ce qui est en train de se passer là, j'aimerais poser une autre question à ton inconscient. J'aimerais savoir s'il sent que c'est le moment maintenant d'aller voir ce qui faisait office d'obstacle tout à l'heure. Et je te demande si tu seras surprise au moment où tu vas à nouveau regarder ça. C'est comme si tu tentais de retrouver ce qui était devant toi tout à l'heure. Il y avait cette main qui s'est soulevée. Au moment où cette forme était présente. À nouveau, au moment où tu vas être en face de ce qui tient lieu d'obstacle, cette main va se soulever. Et j'aimerais que tu me dises maintenant, comment il est cet obstacle ? Quand tu sauras quoi en faire, tu vas comme avoir l'impression que tu peux le dépasser. Et dépasser un obstacle, ça veut dire plein de choses en même temps. Comme il y a mille façons de le faire. Mais peut-être que ça peut être très différent de tout ce qu'on pouvait imaginer autrement. Quand ce sera le cas, il y a une autre émotion qui va apparaître. Et pour t'aider, tu vas pouvoir te connecter à toutes les ressources inconscientes que tu as collectées aussi, celles qui sont dans l'autre main. Tu vas pouvoir te connecter à toutes les ressources et toutes les connaissances que tu as à ta disposition. Et quand d'une manière ou d'une autre tu auras traversé l'obstacle ou quand sa nature aura suffisamment changé pour qu'il n'en soit plus un,
les mains vont redescendre. Comme si toute la tension qui existait depuis si longtemps à l'intérieur de toi pouvait se relâcher dans ce mouvement. Comme si toute une réorganisation commençait à se faire. Comme s'il s'agissait de regarder les choses depuis un autre point de vue, depuis un autre niveau. D'une façon nouvelle et différente. Alors tout à l'heure, il y avait l'idée que le temps n'existait pas vraiment. Dans les rêves, il n'existe pas. Dans les pensées, on peut se projeter devant ou derrière. On pourrait imaginer un point devant qui correspond au futur. Viser un endroit qui existe dans un mois ou dans deux mois. À peine imaginé, il devient presque réel. Cette séance est lointaine. Ça fait longtemps déjà. Beaucoup de choses ont changé. Tu peux te connecter à tout ce que tu ressens à ce moment-là. Tout ce que tu vis, tout ce que tu éprouves. Et sentir que cet avenir est déjà le présent d'une certaine façon. Que tout à l'heure et maintenant peuvent comme se rencontrer. Qu'après et le présent, c'est comme deux mots qui peuvent se rejoindre. Et que celle qui est là, qui a déjà accompli tout ça, qui allait chercher toutes ses ressources, qui a compris les origines des choses, qui a pu plonger dans un monde où, pendant quelques instants, la réalité était à côté de ce qu'elle est habituelle. En ayant déjà accompli tout ça, il reste un peu comme dans ces histoires où le héros revient à la fin à l'endroit dans lequel il était au tout début, comme après avoir accompli tous ces changements. S'il était intéressant de revenir là où tout a commencé pour encore mieux terminer les choses. Comme une parenthèse qui se referme. Comme un récit qui arrive à la toute fin. On tourne la dernière page du livre. On lit les derniers mots. La page n'est pas toujours finie, la dernière page. Parfois, ça se termine par trois points de suspension, parfois par un point ou un point d'interrogation. Et puis ensuite, c'est que l'imagination. Il faut toujours imaginer ce qui se passe après pour les personnages. Pour l'instant, le livre se referme. Cette part inconsciente repart dans son monde habituel. La part consciente peut se préparer à retrouver le sien, avec ses différences. La respiration, le corps, c'est comme parfois des guides qui ramènent vers l'instant présent, vers ce qui se passe ici et maintenant. Certaines personnes ont besoin de s'étirer, de bouger, de retrouver le contact avec le visage, la bouche, les yeux, les épaules, le dos, et de revenir au présent. Bonsoir. Bonsoir.
Comment ça va? Bien. Oui. On s'est être revenu de voyage. Oh, t'étais partie loin. Ouais. En fait, à un moment donné, bon, tout le monde est parti, on est revenu, on a fait un petit apéro, on est. Quand il y avait une partie de toi qui était sur la chaise tout à l'heure, tout début, il y a longtemps, jadis. Puis elle m'a parlé d'un truc et tout ça, d'une rupture qui a eu lieu il y a une semaine, c'est ça. Toi, quand tu penses à ça, ça fait quoi maintenant? J'ai l'impression que c'est il y a longtemps en fait. Ouais, c'est, bah oui, t'es parti longtemps en voyage, c'est pour ça. Et toutes les émotions qu'il y avait tout à l'heure et qui étaient un peu à fleur de peau tout à l'heure quand tu y pensais, c'est comment maintenant quand tu y penses? Je peux décider en fait. Ouais. J'ai l'impression d'avoir plus le contrôle. D'accord. Et est-ce que tu as l'impression qu'il s'est passé autre chose en plus de ça encore dans cette expérience? Ouais, tu peux en dire deux, trois mots? Ouais. Je suis revenue à tous ces moments où j'ai déjà eu ces sensations. Et en fait, je me dis que je les ai maîtrisées. Enfin, il y a un moment où c'est passé, où c'est allé. Et ce point dans l'espace, dans le temps, je vais y arriver. Oui. Et si maintenant, c'est plus tard, et plus tard, c'est comme c'était avant, bah, j'y suis déjà d'une certaine manière. Ok. C'est joliment dit. Ok. Est-ce que là, tu as toujours l'impression d'avoir un masque ou c'est vraiment toi? Non, c'est moi. C'est toi? Oui. Ça, c'est beau aussi. Super. Il y a un petit truc qui est différent, en effet. Je ne saurais pas dire quoi. J'ai les yeux un peu fatigués. Peut-être que ça joue un petit peu, oui. Tu risques de faire beaucoup de rêves cette nuit. D'accord. Peut-être même que tu auras l'impression demain que ceci n'était qu'un rêve. C'est possible aussi. Tu sauras que c'est réel, mais au niveau de l'impression, au niveau des sensations qu'on a, parfois. Quelquefois, après, on ne sait plus très bien, réel, imaginaire, onirique, etc. Peut-être que ce que tu te rappelleras de la séance n'est pas exactement la séance, peut-être que... Bref. Mais il y a une partie de toi, en tout cas, qui sait tout ça. Merci beaucoup d'être venu pour ce moment-là. Merci à toi. Profite-moi. Merci. Faut que tu rendes le micro. Ça peut être un souvenir, mais c'est un peu plus compliqué après. Bon, ben voilà, on a accompli un rituel. On a repris les ingrédients dont on parlait tout à l'heure. Je reviens juste un petit peu là-dessus pour clôturer un peu tout ça. Oui, on est passé par plein d'étapes, des étapes qu'on a fait ressembler un petit peu à un scénario de film, vu qu'on a parlé un petit peu avant. On est allé chercher des compréhensions dans le passé. On est allé ouvrir les croyances, on a même commencé par ça au début. Bref, on est revenu un petit peu par toutes ces étapes, on allait se confronter à l'obstacle, quelque part, une première fois, sans forcément chercher à le dépasser. On allait chercher des alliés, là c'était l'inconscient qui était l'allié. On aurait pu imaginer un vieux sage comme allié, ou je ne sais pas ce qu'on veut, mais après c'est qu'une métaphore, tout ça évidemment. On est allé chercher des ressources quelque part, on les a intégrées. Bref, on a recréé un petit peu un cheminement comme ça. Ce cheminement, évidemment, on peut lire un conte et avoir un cheminement initiatique, mais ça ne fera peut-être pas le même effet que si on est nous-mêmes dans un état de conscience modifié. Dès qu'on crée un état de conscience modifié, en fait, on retrouve l'esprit d'un enfant, c'est-à-dire l'esprit de quelqu'un qui ne cherche plus à catégoriser, à juger, à poser des étiquettes. On est dans du vécu. Les mots deviennent une réalité possible. On dit qu'il n'y a plus le temps n'existe plus. On dit que la main va se soulever, la main se soulève. On est à la frontière entre réel et imaginaire. C'est pour ça qu'on doit maîtriser les états de conscience quand on accomplit des rituels, parce que sinon on ne fait que faire quelque chose sans forcément le réaliser réellement. Alors ça peut quand même avoir un certain effet, mais il va manquer une grande part en fait de la réalité, de l'implication, de l'intention en fait qu'on met dans les choses. Sur la question des états de conscience, je voulais aussi rajouter une toute petite chose. C'est que, et pour ceux qui regardent un peu les cabinets publics, c'est des choses dont je parle de temps en temps, mais je trouve que c'est important aussi dans cette soirée d'en parler deux minutes. On est dans une société où nous avons plein de façons de modifier notre état de conscience, mais sans que jamais on nous donne les clés pour savoir ce qui s'y passe vraiment. Je pense qu'on n'a jamais eu autant, dans l'humanité, on n'a jamais eu autant de variétés d'états de conscience différents accessibles à tout moment. On peut aller au cinéma pour vivre de la transe, on peut aller à des concerts pour vivre de la transe, on peut apprendre à faire de la musique, on peut aller dans des expositions, on peut faire de la danse, on peut faire... Il y a mille façons de modifier l'état de conscience. On n'a jamais eu autant, et il n'y a jamais personne qui me dit « voilà ce que tu fais quand tu fais ça ». On a des mots pour parler de ça, on a des mots comme « divertissement ». Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure explication qu'on a, parce que c'est vrai qu'on se divertit parfois quand on fait ça, mais ce n'est peut-être pas exactement ça qu'on fait. Pourquoi on va écouter de la musique? Parce qu'on espère être hypnotisé par la musique, je crois. Pourquoi est-ce qu'on va regarder une œuvre d'art? Parce qu'on espère être subjugué par cette œuvre d'art et rentrer vraiment en connexion avec quelque chose dedans.
Pourquoi est-ce qu'on va danser? Bah parce qu'on espère peut-être qu'à un moment donné, pris par le mouvement, par la sensation, par le lâcher prise, on ait une nouvelle connexion au corps, une introspection très profonde et en même temps une sensation de libération et de lâcher prise. Pourquoi est-ce qu'on fait de la méditation ou du yoga? Peut-être pour stopper enfin ce dialogue intérieur, se retrouver avec soi-même, retrouver la paix intérieure. Et en fait, on ne parle que d'hypnose quand on parle de tout ça. C'est-à-dire, on parle de ces états non ordinaires de conscience. On cherche des accès pour ça. Je pense que l'être humain est capable de déployer des trésors d'ingéniosité, de passer un temps incroyable, de payer quelquefois beaucoup d'argent pour des états de conscience différents. Quand quelqu'un va goûter un plat particulier, c'est peut-être pour que ça le fasse voyager. Quand quelqu'un va goûter un vin incroyable, c'est pour partir dans un monde imaginaire, etc. On pourrait prendre plein d'autres exemples. Et en même temps, il n'y a jamais personne qui nous dit « voilà comment ça marche ». Ça provoque un grand malentendu, c'est que parfois on confond la finalité et le moyen. Quelqu'un qui lit un texte et ce texte va le mettre en transe est persuadé que c'est le texte qui l'a mis en transe. Alors qu'en fait, ce qui s'est passé en lui. Quelqu'un qui va réciter un mantra et qui va rentrer en transe va être persuadé que c'est ce mantra qui a fonctionné, alors que la clé, elle est plutôt en lui. Alors ce qui fait que la plupart des gens se retrouvent à être fascinés par l'élément qui a déclenché un état de conscience. La personne qui, en dansant un nouvel état, la personne va prendre des cours de flamenco, d'un coup, elle a un énorme état de conscience incroyable, elle va se dire « le flamenco, c'est ma voix ». Et c'est super, et c'est génial. Sauf qu'en fait, ce n'est que le moyen et pas la finalité. Et je pense que si on éduquait les gens aux états de conscience, si on éduquait les gens à la modification des états de conscience, on aurait beaucoup, beaucoup moins de gens qui se fascineraient pour le moyen et plus de gens qui rêvent vers la compréhension de la finalité, de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous quand on fait ça. Et je crois tout simplement que l'hypnose, c'est une tentative à la fois de comprendre les modifications d'état de conscience, de comprendre les rituels qui nous font transformer les choses. Pendant longtemps, l'hypnose a été un petit peu un savoir réservé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pratiquaient l'hypnose et c'était un peu empirique et puis ça ne se transmettait pas bien. Je crois qu'aujourd'hui, on essaye de transmettre ça parce que l'idée qu'il y a derrière, les valeurs qu'il y a derrière, c'est que ce savoir-là, en fait, si tout le monde l'avait, ça serait quand même beaucoup mieux. Et une des envies de cette soirée de ce soir et des cabinets publics en général, c'est de transmettre des clés de compréhension de tout ça, créer de la curiosité vis-à-vis de tout ça. Et j'espère que ça vous a donné envie de vivre des expériences hypnotiques et peut-être d'en créer et peut-être de comprendre dans chaque chose qui vous touche particulièrement ce qui peut avoir d'hypnotique en quelque sorte. Voilà, c'était l'intention de la soirée. Il y a une question ? Est-ce que là, les rituels, on peut créer un auto-hypnose ? Ah oui, bien sûr. On ne fait que ça quelque part. Tous les exercices d'auto-hypnose qu'on peut imaginer, on a un programme d'auto-hypnose en ligne sur Internet, pour ceux que ça intéresse, où on transmet des outils d'auto-hypnose. On s'est amusé à tout un rituel avec les animaux totems, ce qui est une forme archétypale de projection, c'est intéressant. Et ce sont des rituels, quelque part. Des rituels qui à la fois modifient notre état de conscience et en même temps transforment notre organisation psychique, tout simplement. Donc oui, je crois que c'est l'objet de l'auto-hypnose. La différence, c'est peut-être, je ne suis pas très objectif quand on se dit ça, moi j'aime l'auto-hypnose parce que justement, elle ne transmet pas que le rituel, elle nous explique en quoi c'est un rituel et comment on peut se créer le sien quelque part. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dogmatique. Souvent, on nous explique un rituel et on dit, il faut le faire à la clé comme ça, c'est comme ça, ça fait 500 ans que c'est comme ça, refaisons-le comme ça. Et puis quelquefois, en fait, on n'est pas dans le même monde qu'à 500 ans et autant avoir les clés pour les ingrédients. Tu vois, c'est un peu le jeu de l'ego, l'apostrophe. L'autre. Mais celui avec les pièces, on recompose ce qu'on veut. Ben, pour moi, l'auto-hypnose, c'est ce qui donne toutes les pièces. Et puis après, on compose un petit peu ce qu'on veut. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Vous avez tous participé au changement d'une personne. Alors, n'hésitez pas à nous tenir au courant ou à m'envoyer un petit message sur tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines de ta vie. Encore une fois, si ça va trop bien, rassure-toi, on peut s'en occuper. Merci à tous. Très bonne fin de soirée et à bientôt.